connaissez la sulette, le saisir. Ici, ici. Tu veux que tu aies wapi? Non. France, en Chine, vous êtes du côté de Montréal au Canada, vous êtes aux États-Unis, Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où nous émettons, nous vous souhaitons déjà la bienvenue dans cette tranche spéciale hommage au révérend Baruti et Kasongo. Pour ce soir, nous avons reçu pour vous, pour nous également, la délégation de l'Afrique du Sud. Quand on parle de l'Afrique du Sud, vous savez, il faut parler ou faire référence à un ancien qui est aussi parmi les enfants de la foi du révérend Baruti Kasongo. Ils sont ici sur ce plateau, ils étaient venus rendre un dernier hommage à leur évêque, l'évêque général, le révérend Baruti Kasongo. Et dans cette émission ou dans cette tranche, nous allons parler avec eux. Ils vont parler de la manière dont ils ont connu le révérend Baruti Kasongo. Est-ce que le ministère du révérend Baruti Kasongo a un partenaire ministère? Est-ce qu'il y a-t-il des souvenirs gardés et surtout concernant le ministère du révérend Baruti Kasongo? Ça, c'est la première partie de notre émission et la deuxième partie sera plus consacrée sur l'anniversaire de notre maman, Maman Afon. Elle a beaucoup pleuré son mari. Elle est dans la douleur, mais vous savez, le révérend Baruti Kasongo est parti, mais l'Esprit de Dieu qui nous a transmis est là. Donc, nous souhaitons déjà à Maman Fo grand courage. Et Maman Fo, vous savez, elle a accompagné le révérend Baruti Kasongo partout, même chez les Pygmées. Donc, c'était une femme qui n'a jamais laissé son mari travailler seul. Comme on dit en français, derrière un grand homme, se cache une grande dame. Donc, Maman Fo, c'est aussi une grande dame. Aujourd'hui, nous allons vous donner l'opportunité de souhaiter à maman, à notre maman, joyeux anniversaire. À Botamaki Lilo. Donc, elle est née le 24 juin. Quelle coïncidence, puisque le pasteur Baruti est né le 24 janvier 1947. Et Maman Fo est née le 24 juin 1952. Donc, aujourd'hui, Maman Fo totalise 72 ans, c'est-à-dire 72 ans d'âge. Alors, il y a des gens qui passent à la maison. Bien sûr, Mawezali, Passezali, en tant que moto. Mais il faut savoir aussi passer le temps. C'est-à-dire, Tayamawa Eleki, Mizalaki et Sengopanabiso, parce que nous avons célébré le révérend Baruti Kasongo. Pas seulement pleurer avec des larmes, mais chanter, danser, parce que nous savons qu'il est entre les mains de notre Dieu. Entre le main de notre Seigneur Jésus-Christ, Oya Bandaki, Koukou Misako, brandir à tout moment, tant que Motabika, le banana Bikisio, Yesu Christo. Donc, nous sommes dans la joie parce que Tobi Papa Nabiso, Aza, na gloire, Aza Yako Sepela. C'est pourquoi, ici sur cette terre, nous avons célébré, en fait, Dieu qui a voulu retirer notre papa. Donc, comme je l'ai dit au début de cette émission, préparez déjà vos téléphones parce que, awa, vous présentez un sous ma condoléance, telle condoléance, il est kaki déjà. Awa, vous souhaitez à maman à vos joyeux anniversaire. Elle est en train de nous suivre puisque la RTVA est en face d'elle. Tant que vous avez que souhaité, écho, pisse sous ma casse, courage, puisque le temps du deuil est passé. Alors, il s'est dit total à Liboso parce que Azana charge mon aîné, parce que Bobi Maman Zalaka, bonne conseillère, surtout pour Nabana, tous Abana Naye. Alors, il s'est dit Azana Makasse, Moka Bengi,
Pasteur Carlos, pour ça, talaboué, puisqu'à tant que maman, bien sûr, Azana sacerdoce tes mains, à tant que maman, Azana expérience, avant qui permet à moto, Azana qui expérience, surtout dans le domaine en Zambé, a eu ben, n'y a le papa, bako tambola. Pasteur Mosendo, il y a qu'à permettre, tala papa, kotoyo. Pasteur Pondembo, tala papa, boui. Donc, elle reste aussi une conseillère, surtout na Bissot, Bissonianso, puisque Toza Bana. Nous avons reçu, comme je l'ai dit, deux serviteurs des dieux de l'Afrique du Sud. Là, je cite le révérend Louis Panzou, qui est le pasteur responsable, il y a l'église Monène à Cape Town, pas seulement l'église à Cape Town, mais c'est aussi un évêque de beaucoup d'églises en Afrique du Sud. L'église s'appelle El Bethesda de l'Afrique du Sud, de Cape Town en Afrique du Sud. Il est accompagné du pasteur Georges Moussemakwei, qui est aussi sur ce plateau. Je pense que ceux de l'Est comprennent bien le nom, qui signifie « celui qui dit la vérité », Moussemakwei. Donc, je crois bien, il va nous dire la vérité. Comment il a connu le révérend Baud Kasungo? Qu'est-ce qu'il apprécie ou qu'est-ce qu'il apprécie dans l'Italie ministère et à pasteur Baruti Kasungo? Lui a remplacé le révérend Bellessi, paix à son âme. L'église s'appelle Un Time Message Tabernacle de Durban. Donc, et il a succédé le révérend Bellessi en 2021. Donc, actuellement, c'est lui qui dirige l'église de Durban. De connaître ce baptême à Durban, ce bokeh, beaucoup moins comme pasteur responsable de cette église. Il est aussi parmi les enfants de la foi du révérend Baruti Kasungo. Naké déjà coupé sa mbote pa na bango, nous allons mélanger parce que toujours qui ta koza la na bangote, a koso la na bangote, le temps de day est passé, ce que tozongi li même l'église baro tabernacle bakri tozongi bongo normal. Ça dit déjà parti à mercredi, prière ya tongo ya 9h-14h isali. Venez na baro tabernacle, na prière ya tongo isala kabana 9h-14h. Et les soirs, à partir des 16h30, il y a culte normal. Tout revient maintenant à la normale pour continuer avec notre Dieu, puisque le révérend Baud Kasungo n'est pas parti avec Jésus-Christ, n'est pas parti avec notre Dieu. Le révérend Baud Kasungo est parti, mais Dieu est resté avec nous, puisqu'il nous a transmis l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Voilà, je pars déjà vers mes invités en face de moi, comme je le dis, pasteur Louis Panzou. Pasteur, on a pu se déjà m'ôter, nous avons là. À Bambalo Mingi, 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 Moussaï Nanzambe, journaliste Monene Nelson. Oui, pasteur Georges Moussemakwei, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, serviteur de Dieu, Nelson, que Dieu vous bénisse richement. Oui, avec vous deux, nous allons parler aujourd'hui du révérend Baruti Kasungo. Je crois bien, dès que le pasteur Baruti Kobeta, il est solo, il est solo, s'approprier est solo, il est pasteur Baruti bien, non. Il est bien, histoire est bien. Donc, pasteur Panzo, il est histoire ou expérience, il est na pasteur Baruti. Pasteur Georges, il est expérience, histoire ou il est pour na pasteur Baruti. Il est histoire ou connaissance ou il est na part ya pasteur Baruti. C'est un grand. Sur le vito kabolé na biteni, je crois bien montre mon temps que été mon corps suffisant oui kozala madame mingi na ko ce qui concerne information to histoire ya révérend Baruti Kasungo. Pasteur Louis Panzou, je signale que osa parmi ba première génération au pasteur Baruti a consacré comme ba ministre, je cite vous et le pasteur Boa. Et puis, pasteur Baruti a prêché aux Alaki, frère Monko, ma tata, pour nous dire, ma pasteur Baruti. Comme dans la parole de Dieu, résistance et Alakate, il vous a prêché, vous étiez vous, pasteur Bellessi, pasteur Tangou, vous étiez là nombreux, pasteur, papa Kalonji, qui est déjà parti, frère Banga, beaucoup, on ne voulait pas revenir en arrière, mais parlez-nous, première fois, beaucoup, t'es un pasteur Baruti, sur le résumé, on a moqué. Et là, qui n'est ni ni, ou après ça, qui est comment? Donc, je crois, c'est vrai, je l'ai connu vers la fin 1981. Ok. Alors, Dieu avait placé quelque chose dans son cœur d'aller prêcher dans des groupes de prière.
Nous étions dans le groupe de prière de Kalembelembe. À le passé, Baut est venu là. Il a prêché sur la foi parfaite. Après la prédication, il disait que la foi parfaite pour avoir ça, c'est pour que vous puissiez avoir aussi la foi de l'enlèvement. Mmh. Alors, vous ici, vous n'avez pas la foi parfaite. On vous sera enlevé. Oh, nous, on a la foi parfaite. Il dit, vous n'en avez pas. Tellement on a discuté, il y avait un frère Paul qui était notre conducteur, a concerné ma discussion, beaucoup de discussions. Il dit, bon, je vois qu'on ne s'entend pas. Parmi vous ici, qui croit qu'il sera enlevé? Oh, moi, je l'ai fait, je serai enlevé. Mmh. Il dit, bon, je vous donne seulement une seule condition. Mmh. Pour que tu sois enlevé, ou bien vous tous ici. Il y avait un frère Paul qui était conducteur, malgré qu'il n'était pas là. Il y avait aussi un frère Ziki Katoulou. Il dit, bon, je vous donne seulement une seule condition. Vous devez venir à Rigini, m'embrasser moi, ça sera la preuve que vous serez enlevé. Non, 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 ça n'a pas fait trois mois. Et nous voilà là-bas à Rigini, en train de l'embrasser. C'est là pour l'avoir dit, je l'ai dit. Ah, et après, le passé, et nous, nous sommes... Donc, il a quitté Bandal okay. pour venir là à Kapanga, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous étions. C'est là où il nous a vraiment encadré dans la parole. C'était même maman Afo à Zoyoka. Okay. Presque chaque soir, s'il y a 7 jours de la semaine, on était là-bas 4 fois ou 5 fois. Et on mangeait aussi là-bas. C'est là où le pasteur Baut avait débauché et nous enseignait. Surtout c'était moi, mon grand frère qui est à Londres, Bélessi, c'est nous qui étions vraiment assidus et frères ensemble. Frère Banga venait de temps autre aussi, mais c'est qui était là presque tous les jours. C'est là où je connais le pasteur Baut dans les groupes de prière. Nous sommes venus dans les messages et nous sommes restés avec lui ensemble pendant 7 ans, de 83 jusqu'à 90, qu'il a quitté pour aller encore à Bandal. Okay. Là, il était dans notre commune pendant ces 7 ans-là, tous les jours avec lui. Donc voilà, en bref, ce qui est. Pasteur Panzou, je vous garde encore avant de passer la parole au pasteur Georges. Mmh. Je voulais un peu savoir. Quand vous avez vu le pasteur Baut, quand le pasteur Baut a commencé à vous enseigner, vous avez déjà un groupe de prière, Nabino. Ni les pauvres cas qui viennent, puisque vous avez déjà la parole. Au moment où ils ont, au Penda, ils aient vrai, au Abisso, ils a pamba. Bon, aujourd'hui, je vais dire une chose, bon, je sais que beaucoup de gens connaissent ça. Le pasteur Baut, ce n'était pas lire les citations. Ok. Qui nous a impacté. Surtout moi, non. Mais ce que j'avais remarqué, il avait Dieu. Il vous donne Dieu, il vous donne Dieu, c'est ça la différence. Moi, je peux vous donner des citations, c'est bien. Mais lui, il vous donne Dieu. Donc, vous êtes avec vous, vous sentez vraiment, l'atmosphère change. Okay. Vous sentez qu'il y a une présence. Et l'assurance que le pasteur avait, c'est ce qui m'a dépassé. Tu vois? Donc, on était là, nous sommes restés avec lui. Donc, pour la première fois, moi, j'ai vu le miracle. Mmh. C'était avec le pasteur Baut. C'était pour la femme d'un major qui était tombée. Okay. Là. Dans notre foyer d'Itaga, l'homme là, le major l'avait amené aux États-Unis. Les médecins disent, bonjour, on a venu à Kinshasa, ok, vous êtes à moi, Sénat. Et on l'a amené dans le foyer à Itaga, on était au moins 25 à 26 personnes. Chaleur à la femme là est tombée. C'était un mécanique que je ne peux pas oublier. Le pasteur nous pose la question, qui dans sa vie, il a déjà vu un miracle? Je ne parle pas de la guérison divine. On prie pour toi. Et tu es guéri après 5 jours ou 2 jours ou bien même demain matin. Okay. De sur le champ. Personne. Il y a de vous tous. Vous allez voir. 83 février. 1983. Okay. Je ne parle pas de maintenant. Okay. 83. Il vient, il impose des mains. Et je me souviens de notre sœur aussi dans la gloire. Il voulait venir pour soulever la sœur. Le pasteur va te dire, Maman Kingombi, Tikaye, Azote Makaye Mosukoy. Et on a vu la personne aussi s'élever. La maison a bougé. C'est là où pour la première fois, moi j'ai vu un miracle. Là, c'est à 84. 83. 83. Mois de février. Donc, Mirep et Banda qui déjà, Banda, quand la même passé pas comme un tutelaire oh, responsable. Non, à un moment donné, comme il y avait beaucoup de gens qui priaient, okay. lui, il s'est retiré un peu, c'était comme ça. Mm-hmm. Il y avait des guépas, okay. hein, beaucoup de gens qui priaient, l'autre là qui chantait. Il y avait beaucoup de gens qui priaient. Alors le pasteur s'est fait comme retrait. En 1984, là, il a encore recommencé avec des campagnes partout okay. dans la ville de Kinshasa ouais. ici. Intercommunal. Oui, c'est là qu'il s'est fait que Moutang a vu bouger. Okay. On a bien des mecs qui sont là-bas.
Il dit, ah, t'as les médecins des frères Branham, des miracles. C'est là où ça a bougé Moutang. Beaucoup sont venus à Rigéné. Ah, voilà, en quelque sorte. Voilà, quand vous avez parlé des miracles, surtout Nanina Zouakaraka, Ndekoua, Kouyaki, passé à Baouta Bondeli. Maman, ouais. Donc, à la Mouki. On a miracle. Voilà. Guérison T. Miracle. La guérison des Bélé. Miracle. Abonnez-vous à Moutaka, Bika, après deux jours, à Bélé, trois miracles. Miracle. Oui, on prend aussi un cas de miracle. Le col à Lobby, à Mopono Kotali, Sabilo Konyoso, Namaloubaka Kapambate, mais aussi en image, mais peut-être Tokozo Oiza, image encore d'actualité. Avant tout, je pasteur Georges. Alors, suivez l'élément de Christian Loleka qui a fait une chute libre à partir du balcon. Là, le pasteur Baouti s'est préparé déjà pour la lecture de la parole. Donc, Moutaouti n'a balcon, Tina Cher, Kingo. Et Balouki, et il était mort sur place. L'homme de Dieu a prié et suivait comment a été sa résurrection. On suit cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après. Tu es dit. Protégez-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Akufate. Qu'il ne puisse pas mourir. Ayaki pour le Kalilobanayo. Akufate. Il était venu pour écouter la parole de Dieu. Qu'il ne puisse pas mourir. Christian Loleka. Navai na Yolo Nord, na Kalam, na quartier Yolo Nord, avenue Wafanya numéro 13 bis. Nous avons une ya Barou Tabenak, ya Rigini A. Pourquoi ça m'a Barou Tabenak depuis quand? Nous avons une ya Omaesi depuis 4 mois. Na aucun des 4 mois déjà on a aucun okay, l'église déjà. Dans le enseignement, est-ce que déjà je paye baptême? Baptême na kanagi na zwana na zuti. Dimanche, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez église que vous avez dit que dimanche avez le 22 novembre 2020 vous avez dit que 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 bon, na kota la ba image bisiko vanda kana premier balcon tu koko mana garde fou oyo permet ka batu ba ko ya teza moi distance mais ndenge ne lolongwa ki na ba chaise eska bo vanda ka tu koma ti eska ba garde fou pour ça la chute libre na normalement na zaki ma proche na libende ngo vraiment zaki ma moi approcher mon ngo ezaki ma distance na ngaite
maintenant on passe à Abaki tout quand on mise tout ça mais là tant on dira il y a le bas amen boy et on a aussi tu fais ici la couleur qui déjà moi esprit mon corps et là comment on va co tinda yo yo santé qui tio comme manako couleur ni nos santé qui pour moi yo mon corps se rappelle les soucis la santé qui ne l'ouvre pas aussi et là vous savez qu'on a la mona qui zaira ni la couleur qui wana et là mon monsieur ne passe rien à monter mais on va quitter pourquoi la manière sera la couleur qui angwa on a eu pas de l'eau morte n'a pas eu de mouton lundi bas bako bête en histoire n'a pas eu ana n'est l'hôpital à l'année à coup bako et sang n'a pas eu l'eau morte 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 les cas qui ont si quoi pasteur par outre à bon délit le lot aux à bonne santé tant le moko balaki sur ma image n'est mon couille qui commentaire n'est coco salani nous sommes appelés signes les tout puissants pour les permettre de la suite sa vie à bonne santé. Nous avons un aîné, il y a un zambé à passer la route, il y a rétabli la santé. On a appelé zambé à passer la route, merci à la salle pour l'année. Est-ce que vous avez tant que vous avez une image, est-ce que vous avez peut-être que vous avez déjà un peu de temps? Oui, nous avons mis mon acquis dans mon corps. Deux fois, vous avez accès à l'image dans mon acquis. Pourquoi la couleur qui est allée à la moutou, c'est ça à Koufi? Parce que dans mon avis, la moutou est déjà à Koufi vraiment. Il y a une cause en Aïlik avec Obi Kinza, mais déjà Bixio pour Kobika totalement. Oui, dans Aïlik, c'est la Biki, et c'est la Bikaï déjà. De retour sur ce plateau, comprenez, nous passons en direct sur les antennes de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Nous avons reçu ici sur ce plateau la délégation de l'Afrique du Sud, Pasteur Georges. Avant de vous poser la question comment vous avez connu le reverb de Kasongo, peut-être un petit commentaire par rapport à ces images que vous venez de voir. Par rapport à ces images que je viens de voir, c'est vraiment une confirmation que Dieu était avec son serviteur parce que lui-même en avait parlé. Lorsque j'étais ici en décembre, Papa Beka, il m'a donné la leçon de flair, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé au sujet de cette vidéo que je viens de voir. Ah bon? Oui. Et comment vous l'avez connu pour la première fois que vous avez vu le pasteur Baroté? C'était comment, où et dans quelles circonstances? Je suis avec mon épouse ici, elle est avec moi, qui m'a accompagné. En 2006, lorsque le pasteur Baroté était venu en Afrique du Sud, précisément à Durban, ma fille est née Charon. Elle était malade, elle souffrait de l'hémorroïde. Ok. Et le pasteur Baroudi avait prié pour elle. Et Dieu l'avait guérie complètement. Même, j'avais déjà oublié ça, même ma fille, lorsqu'on donnait les témoignages sur la vie du pasteur Baroudi, ma fille a témoigné même de ça. J'étais aussi surpris parce qu'elle était encore une petite fille. Le pasteur Baroudi, dans les années 96, j'écoutais parler de lui et comment Dieu l'utilisait, mais je ne l'avais pas encore rencontré. Et je pouvais seulement le voir à la télévision. Mais en 2006, Dieu m'a donné l'occasion de le voir en personne. Okay. Et nous étions avec lui. J'ai même une photo là de 2006 lorsque nous étions ensemble avec lui. Vraiment, j'ai vu Dieu en lui. Okay. De ma part, j'ai vu vraiment Dieu dans un homme. Ce que le message disait, je vis cela en lui. Okay. Je pouvais lire les écritures en lui. Ici en 2023, décembre 2023, et j'avais organisé un voyage accompagné par mon épouse Sylvie. Et nous sommes arrivés ici à Kinshasa. C'était l'année passée. Hein. Oui. Décembre, c'était le 6, un certain mercredi là. Le 6 décembre 2023. Oui, 2023. Je suis venu uniquement pour lui et la façon dont il m'a accueilli, donc je vis ce que le message nous dit, l'amour agapao,
je sentais, je pouvais voir qu'il dégageait cela. J'étais moi-même surpris de voir comment une personne d'une haute personnalité comme cela, la façon dont il m'a accueilli et il m'appelait mon fils, tu es venu. Et nous étions là au salon. Et quand il est venu pour me saluer, il a dit non, mon fils, je ne te reçois pas ici. Je vais te recevoir là-bas, donc dans votre salle là-bas. J'étais surpris lorsque je suis entré là-bas. Et maman Alfo est venue aussi. Donc c'était l'ambiance. L'ambiance. J'ai vu papa, maman nous accueillir. Donc quand comme si vous vivez ici ensemble. Oui, quand il m'embrassait, je pouvais sentir. Donc je suis dans la présence non surnaturelle là. Donc quelque chose que je sentais, je ne peux pas. Ça serait difficile pour moi d'expliquer ça. Et c'est mon expérience à moi que j'ai vécu quand il m'avait embrassé. Nous étions là, il m'a donné beaucoup de conseils là, beaucoup de témoignages, comment il avait écrit, partout où il est allé en servant Dieu, tout ce que Dieu faisait avec lui. Alors il m'encourageait. Donc c'était des conseils là qu'il me donnait. Et après il me disait non, mon fils, je vais prier pour toi. Okay. Je me suis agenouillé là-bas. Il a prié pour moi. Donc il a prononcé des bénédictions. Donc son cœur là. Il a ouvert son cœur, tout ce qui était en lui, qu'il pouvait prononcer donc, sur ma vie. Il a dit ça de tout son cœur. J'ai senti une joie là. Ça m'a amené à aimer beaucoup le Seigneur. Ça m'a amené vraiment à aimer beaucoup le Seigneur. Il a prié pour mon épouse. Et après, on a pris des photos là-bas avec lui. Et on se dit, je voulais être à côté de lui. Okay. Il m'a dit, non, je veux que ma fille soit à mon côté. Donc, il parlait de mon épouse. Maman aussi, maman Alfo, elle a dit, ok, mon fils vient ici, à côté de moi. Alors, il a tenu ma femme comme ça. Et maman Alfo aussi, vous pouvez voir même les images là. On a des images. Oui. C'était vraiment merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Et après cela, il a dit, mon fils, je vais te faire circuler la maison. Il dit, ah bon? Oui, papa, je suis là. Et nous sommes passés par la cuisine dans sa maison. Et il m'a expliqué chaque chose qui était là, dans la maison. Je ne pouvais pas comprendre. Moi-même, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, il m'expliquait presque toutes choses là, que je voyais là-bas. Tu vois ceci, ça signifie ceci. Il y avait même un gobelet là, qu'on avait fait pour lui. Je pense que c'était pour son anniversaire de 2023. Okay. Il a dit, mon fils, ça je te donne ça. Ça je te donne ça. Et vous êtes parti avec son gobelet? Oui, je suis parti avec ça. À Durban. Là, il y a, on écrit, j'aime Jésus. Okay. Et j'aime Becca. Okay. Il y a la photo de Jésus. Il y a aussi la photo de papa Barouti. Alors, j'étais tellement content. Il m'a dit, ok, viens, toi passe devant. Moi, je disais, bon, celui qui il est en train de me montrer la maison. Oui, mais comment il me dit de passer devant? Je ne comprenais pas. Il dit, ok, papa. Il dit, il a insisté, passe devant. Je suis allé. Et on descendait, on quittait l'autre salon là. Pour descendre, on devait se diriger vers l'autre salon là. Okay. Et après sortir. Et après, juste quand j'ai passé dans le couloir ici, comme ça, il m'a dit, arrête-toi. Je me suis arrêté. Il a dit, demi-tour. Quand j'ai fait le demi-tour là... Là, vous êtes en train de vous promener dans la parcelle. Non, non, dans la maison d'abord. Ok. Là, vous avez vu les images de la maison. Ici, c'est à l'extérieur. Et je voulais dire ce qu'il avait fait comme une surprise pour moi. Okay. Il m'a dit, ok, arrête-toi.
Je me suis arrêté. Demi-tour. Je fais le demi-tour là. Quand j'ai tourné le regard de Rio là, donc je vis cette grande photo là de Jésus d'Hoffmann là. Donc, joli vraiment. Ah, j'ai dit surprise. On a ri avec lui. Donc, c'est toute l'ambiance. De là, il m'a dit, viens, suis-moi. Nous sommes sortis de la maison. Et là, il m'a amené à l'extérieur. J'étais toujours avec mon épouse. Je ne savais pas, oui, il y a les images qui sont là. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait m'enseigner. Il dit, suis-moi. Je l'ai suivi. Et nous sommes allés jusque dans la parcelle, là où il y avait le jardin. C'est là qu'il m'a dit, viens ici, je vais t'apprendre quelque chose ici. Je me posais la question, qu'est-ce que papa veut m'enseigner ici? C'est ainsi qu'il m'a montré des fleurs qui étaient là. Cette fleur là, il m'a montré, tu vois cette plante là? C'est la même plante. Mais regarde les fleurs qui sont là. Il y avait des fleurs blanches et aussi des fleurs, je pense, roses. Rose. Mmh. Oui. Alors, il m'a dit, est-ce que tu peux expliquer ça? J'ai dit, papa, non. Est-ce que tu comprends ça? J'ai dit, papa, non, je ne comprends pas. Il a dit, écoute, mon fils. Tu vois, c'est la même plante, mais qui donne deux fleurs différentes. L'une, c'est blanche, et l'autre, c'est rose. Cela veut dire ceci. Écoute-moi très bien, cela veut dire ceci. Le même Dieu qui a utilisé un homme blanc, c'est le même Dieu qui utilise encore un homme noir. Ah bon? Si Dieu peut utiliser un homme blanc, donc le même Dieu peut utiliser aussi un homme noir. C'est pourquoi vous me voyez ici, Dieu est en train de m'utiliser. Alors il a commencé à me donner le témoignage. Il a parlé de six morts que moi-même je ne savais pas. Il a commencé à dire comment le six morts lui a mené six morts, devant six morts. Et il devait prier pour le six morts là. Il y a des images là. Là, où là tu sais, c'est au moment où on avait perdu notre diacre Ngoy. Ah, oui. Vous voyez, alors je ne savais pas ça. Et il a commencé à parler devant six morts. Je n'avais pas peur. Donc, il voulait me dire que peu importe un cas difficile là, donc, il ne faut pas avoir peur. Oh, père, je dois savoir qui je suis et avoir aussi la foi en Jésus-Christ. Il a dit que je n'avais pas peur, je n'avais pas tremblé. Devant six morts, j'ai prié pour la première personne. J'ai dit, Seigneur, redonne la vie à cet homme ici. Et la première personne s'est mise debout. Alors il savait que non. Comme celui-ci s'est tenu debout, donc la deuxième personne aussi sera ressuscitée aussi. Il a prié pour la deuxième personne, il s'est mis debout. La troisième personne, la quatrième personne, la cinquième personne, jusqu'à la sixième personne. Il a vraiment, on a senti l'onction là, quand il parlait. Je pouvais sentir l'onction, une forte onction là. C'était sous le soleil. Oui. Le soleil était tellement accablant. Moi-même, j'ai transpiré là-bas, lui aussi transpiré. Mais il savait ce qu'il faisait là-bas. Après, il m'a dit, regardez, une personne était tombée au balcon. Dans l'image que nous venons de voir. L'image là, oui, ça c'est vrai. Lui-même m'en avait parlé, je ne savais pas ça. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de témoignages. Gardez encore des témoignages, oui. On va encore revenir sur ça. Mais ce qui m'a retenu en fait mon attention, c'est l'ambiance. Parce que le pasteur, par contre, dès que vous le voyez, mais quand la coute couleur, tu vois, ou tu es ni au hasard, si au hasard, maintenant. Donc, il donne d'abord de l'importance, il y a mon toit en face naillé. Et des fois, il devient professeur, des fois, il devient guide. Là, vous venez de nous enseigner par rapport à cette fleur. Oui, Bimissi, il y a Pembe, Bimissi, il y a Vert. C'est-à-dire pour faire allusion au frère Branham et au pasteur Barot comme l'homme de la relève. Ah, alors, on suit cet élément puisque le pasteur Barot transmettait en fait la joie, l'ambiance. Alors, il dansait surtout pour son Dieu sans avoir honte.
suivez cette chanson Ibaleoyo où le révérend Bakasongo danse avec son église. Suivons cette tout juste après avec nos invités. Pasteur Panzou, oui. Nous avons vu comment les pasteurs Baruti transmettaient la joie. Je voulais savoir, à l'époque, dans mon beaucoup de pasteur Baruti, et ce moment, ils allaient kakaboué, avec le temps de la bandit qui a changé, tout bon qu'on vivre dans l'atmosphère. Pour dire la vérité, dès le premier jour que moi je venais passer ma route, comme je dis, c'était dans un groupe de prière, mais dès qu'on parlait, bon, on se posait à lui, mais tu vois, il était toujours à deux de sourire, ah, à deux de sourire. C'était ça. Donc la joie, comme je te dis là, il y avait un moment où le frère Kouete Maché qui était venu en 1982, Kouete, oui. Tu vois, pendant les châtres, on a savait de passer ma route dans la rue. Pardon. Notre vieux Ngungu. Il dansait avec nous, on dansait là, et il y avait la guérisseur, là on dansait, on ne se trouvait même pas de passant. Bon, nous on pensait que comme nous on était jeunes, on faisait ça, mais il est avec nous. Tu vois, dans la vie, dans le parcours de quelqu'un, parfois il passe à quelque chose. Il ne faut pas oublier, il était le président de nos classes. Tu comprends? Okay. Donc c'était encore païen. Donc ça veut dire la chose là est en lui. Okay. Maintenant ici, maintenant c'est dans le Seigneur. Okay. C'est moi, il était toujours là. Dieu l'a utilisé à Juga la nature, petit si bon samedi, la tâche. Pour la pierre pas là qui m'ont violent, nous avons dit qu'à lui on a opé sa clé pour ne pas être lâche. Donc c'est dans ce sens c'est là. Pierre a eu la clé parce que Jésus voyait qu'avec Pierre ça va aller de l'avant. On ne sait pas Pierre qui avait écrit le premier, vous savez cela. Oui. Celui qui a écrit le premier, c'était André, okay. Dans la Bible. Après, André, c'était Philippe, dans la Bible. Après, Pierre est venu ensemble avec Nathanaël. C'est dans le livre de Jean, chapitre 1er. Okay. Mais Jésus a donné la clé à Pierre, parce qu'il trouvait que c'est lui. Il n'a pas donné à André, il a donné à Pierre. Donc, la joie pour les pasteurs Baruti, ce n'est pas seulement celui de devenir pasteur responsable. Okay. Il était toujours dans la joie. Dans la joie. Lui, c'est sa vie, c'est la joie. Parce que pendant l'année, il y a toute une question de curiosité. Peut-être que vous allez comprendre. Pasteur Baruti, vous allez qui n'est pas tout le monde, tout le monde a l'ingé la peine de Kikinoa. Il y a petit, il y a confiance. Mon confiance. Ah, c'est-à-dire, ils allaient qui sont vraiment, mais qui n'a pas passé Baruti, au moins, il y a une écriture.
Il y a des critiques. Bon, comme je vais dire vraiment, depuis le bois de l'ingala, et là que j'allais à Solo, sur mon travail ministère à Solo. Ok. Il n'y a pas comme ça, le ministère, mon soupe, et que des niveaux chauds. Bon, premièrement, quand on a parlé à moi, où c'est là de se poser dans le stade, en tant qu'égoïste, parce que c'est pas tout ce genre de temps, à quand on a dormi tout. Ok. À bloc, à quand on a dormi tout. Il ne faut pas compter bateau dans le monde, 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 à bloquer dans mon tout. J'ai dit la vérité. Il ne bloque personne. Tu vois, moi je sais une chose qui est vraie. Dans le bango, les gens ont de sous-monté à 2002. Tu vois, il y a passé Barouti, le passeur, le gars a passé racheté. Ok. Et nous étions là, dans Djobou. Aujourd'hui aussi, le passeur là est dans la gloire. Frère Jonathan Rétif. Mm. Donc, on parlait de quelque chose sur les écritures. Mais le pasteur, il était là, il croit c'est moi. Il dit non, parle avec mes diacres. Ah, on a pris les écritures. Tu vois, le pasteur Blala était étonné. Okay. Là, nous sommes partis. Celui qui était son diacre, son interprète, il est notre Congolais. Alors, il était dans la joie. Il dit maintenant à ce diacre-là qui est rentré avec lui. Il dit, bien, mais là, c'est sûr, c'est moi des diacres. Alors l'air passé maintenant il est comment? C'est les gars qui sont forts comme ça dans les écritures. Mmh. Donc l'air passé là, il a eu peur de passer par route d'une manière extraordinaire. Oh Dieu soit en déni, puis nous t'as l'air bon. Dieu m'a en déni. Tu vois que c'est mal image. Okay. Alors, on était vraiment des bons combattants. Mmh. On restait seulement avec les écritures. Comme j'ai dit là, on a même des photos. Surtout frère Nissan Mondé sur le cas de Goyango. Mon grand frère m'a envoyé la photo. Lorsque le pasteur Barout a zaki na kapanga, ton fan la table naïe, ma boche, yangwa na nga na fan, grand frère na nga na frère, sans koto, pasteur yakuna, a zako la ksabiso. Okay. Au moins, il y a le bravo, parce que tonnerre, bekande mouta de miyango na rigene. Ok. Ah, yé. Tout le temps, on a Brazzaville, André Mora, Pessi, un livre, tant au 4 ici, il y a plein de gens na rigene. Mouboule, le Christ. Ma mouro, deko. Deko. Ma rigene, la bazo, le vene, mouboule, le il y a des gens qui et vérité, il y a des nations. Il est le bon. Par exemple, on connaît quand on est connu, il y a un peu vrai, mais ils ont des voix toujours en pleurs. Ok. Et là, il y a des gens qui la joie, c'est pas lorsqu'il est devenu pasteur responsable. Il y a toujours mon Dieu Sengo. Mais question, on a tout nous répondre, puisque en 2002, pasteur Barout a tindi au Bongo en Afrique du Sud, et puis en 2003. Il est mon croyant au conseil. Ça va, ça va. Vraiment, moi, beaucoup, c'est. Il y a un ministère dans la Bible. Alors, il a commencé par prier pour le frère Boa, il a prié, il a terminé. Lorsqu'il me touche seulement, toute l'église, il y a des mamans qui sont là, ils sont là. Et pour ils savent. Ils ont longue semaine de samedi. Tous les voleurs, ça c'est mon ministère à moi, c'est mon serviteur. Des messages. La passée va transmettre l'onction. Ah, en 1993, okay. Le 19 septembre. Okay. Ensuite, le 19 septembre, avec la Bible, il y a le Zodiac. Il faut me dire, premier signe, c'est la Vierge. Okay. Or, 19 septembre, c'est aussi signe la Vierge. Mm. Les mêmes passées Barouti, lorsque je suis allé à 2002, à quel temps j'ai prêché, et il est venu au mois de juillet pour me consacrer maintenant pasteur. Ici, il m'a consacré ministre, mais d'abord, c'était pasteur. Beaucoup de gens font une confusion. Parce que si on t'a consacré ministre, okay. On ne peut plus te consacrer. Non. Okay. Ministre, c'est Ephésiens 4. 4. Okay. Évêque, c'est 1 Timothée 3 ou Tite 1. Donc, c'est là la différence. On consacre aussi les évêques.
Lorsque je me consacrer, le 27 juillet 2003, oh, le 27 juillet, c'est les lions. Je sais que de ce côté-là, vous êtes... Ah, c'est les lions, c'est les lions. On va parler, le dernier signe, c'est les lions. Le premier signe, c'est donc, Alpha, Omega. Alors, moi, ministère, moi, Moukeme, et Fandi, Namakomi. Voilà, vous parlez de l'onction, parce que bah, vous transmettez de l'onction. Quand la danse peut-être bleu comme ce soit payé sa cabine, ok. C'est et là, tu es abonné pour le Saint-Esprit, n'a pas la date été. Bon, n'a pas sa vie. Et voilà le 7, le 8 janvier, deux jours. Ok. Donc, bon, on a abandonné la baptême. Pour mon baptême, on a en mars 82, abandonné au thème, ma frère Branham. Consécration. Non, il y a baptisé moi si Nangaka Beka. Et puis mariage Nangaka. Voilà. Donc c'est ça, voilà. Parler de l'onction, le révérend Baoutka Somo, tout le monde savait que c'est un serviteur de Dieu qui transmet de l'onction. Moi je pense que c'est plus important au lieu de rester dans la situation. Puisque il faut qu'il y ait la mécanique et la dynamique. Donc vous pouvez avoir la parole. S'il n'y a pas l'onction dans cette parole, ainsi bah miracle n'habite ici et que cause là. Alors on suit cet élément Barut Tabenak où le révérend Barut Kasongo parle à distance et ce qu'il parle produit des faits. Suivez. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Pas demain. L'obité. Pas demain. L'obité. Pas demain. L'obité. Ta maladie sera guérie. Maladie n'a rien aussi. L'élo. Aujourd'hui. L'éloyo. Aujourd'hui. L'éloyo. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, comment on a qu'un ensemble. La flèche de délivrance. Banzina l'issico. Frère Banam, je crois. Frère Branham, je crois. Ndeko Branham et Nandimi. Je crois que tu es un puissant prophète. Nandimi est aux aliments sacré. Et tu nous as laissé la flèche de délivrance. Kassoti Kalibison Banzinalisiko. Je crois cela. Ngai Nandimi Ango. Je veux être guéri. Nalingi Nabikisa. Je veux être guéri. Nalingi Nabika. C'est vous qui prononcez. Yondo Zalikoloba. Hein? Je veux avoir des enfants. Nalingi Nabota. Je veux avoir des enfants. Nalingina Bota. Je veux avoir des enfants. Nalingina Bota. Même si on a enlevé la matrice. Attention que Massima Longolinga Matrice. Je veux les enfants. Attention que Longolinga Matrice. Maintenant même. Parlez. Nova. Parlez. Nova. Parlez. Nova. Vous le verrez s'accomplir. Okomonango Koko Kisama. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris maintenant. Ils sont en train d'être guéris. Maintenant même. Frère Banam a dit, mon ministère ne consiste pas à toucher les gens. C'est le paragraphe 13. Une flèche de délivrance. Mon ministère ne consiste pas à toucher les gens. Amen. Amen. Ouf.
Et voilà, de retour sur ce plateau. Pasteur Georges, nous venons de voir, comme a dit ou a confirmé le pasteur Panzou, BK travaillait avec l'onction, au lieu de rester dans des citations, rester trop mécanique, sans l'onction, sans dynamique. Nous venons de voir, peut-être votre commentaire. Dans le ministère du pasteur Barouti, moi je l'appelle toujours papa. Je me sens bien quand je l'appelle papa. C'est un succès pour moi. Un grand succès pour moi. Depuis 2006 que je l'avais rencontré pour la première fois. Et qu'il savait qu'il avait su mon nom. Il commençait à m'appeler Moussé Makouel. Donc ce nom-là était resté en lui. Et souvent m'appeler mon fils Moussé Makouéli. Maintenant, ce que je voulais dire, quand je suis devenu le pasteur de l'église Intermédiaire de Tabernacle, oui, je causais souvent avec lui. Parfois, si j'avais des difficultés, je l'appelais. Comme évêque. Oui. Et chaque fois qu'il voyait que c'était mon appel, vraiment, il décrochait et il me donnait tous les conseils qu'il fallait pour résoudre ce camp difficile-là. Quand je suis venu le mois de décembre 2023 pour le rencontrer, lorsque j'étais dans sa présence, comme je l'ai dit déjà, que je sentais qu'il dégageait le surnaturel. Dans une forte onction. Parfois, quand il parlait, vous pouvez sentir que ici il parle comme un homme. Mais à un certain moment, peut-être après deux minutes là, vous sentez non, ce n'est pas un homme qui est en train de parler ici. Donc il y avait une atmosphère là spirituelle qui était toujours autour de lui. Okay. Et que j'ai expérimenté ça. Le même mercredi là, lorsque je suis parti à l'église, Béka Tabernacle, et juste avant qu'on termine le culte, il avait fait appel à moi. Je suis entré, il m'a accueilli dans son bureau avec mon épouse. Et lorsque je suis entré dans son bureau, vraiment j'ai senti une atmosphère là, plus que ce que je pouvais sentir lorsque nous étions dans la maison. Et j'ai compris que ici maintenant, c'est le bureau, c'est l'office. Donc, de l'église. Oui. Moi j'ai dit non, ici quand même les choses ont changé. Il a commencé à m'expliquer chaque photo qui était là dans son bureau là, et même maman Levy était témoin. Donc j'étais toujours élève à ce côté hein? Oui, parce qu'à chaque mois il y avait rencontre avec lui, il vous expliquait des choses. Non, c'était la même période. Ok. Le 6 décembre 2023, c'était mercredi. Alors, quand il m'a reçu dans son bureau, okay. Donc nous avons midi, il m'avait reçu à la maison. Okay. Maintenant, le soir, et juste avant qu'on termine le service, quand on donnait les annonces là, il a fait appel à moi dans son bureau. Et je suis entré là-bas avec mon épouse, mon levé aussi était là. C'est maintenant qu'il a commencé à m'expliquer chaque chose qui était dans son bureau. Jusque-là, je ne comprenais pas, mais je sentais une atmosphère là, autour de moi, là. C'était vraiment merveilleux. Okay. Et après, j'ai dit, papa, je vais, avant de quitter le bureau, je voudrais que vous puissiez prier pour moi. Il a dit, mon fils, mais j'ai déjà prié pour vous. J'ai dit, papa, ici, je suis maintenant dans ton bureau. C'est le bureau. Ici, c'est l'église. Ajoute encore. Parce que j'ai senti quelque chose autour de moi lorsque j'étais là. Alors, je ne lui avais pas dit que je suis en train de sentir quelque chose. Okay. Je disais seulement, papa, je ne vais pas sortir de ce bureau. Priez d'abord pour moi. Après, il a dit, pourquoi pas mon fils, viens ici. C'est ainsi que je suis allé à côté de lui. Et je me suis mis à genoux là-bas. Vous pouvez voir même si on peut projeter, il y a l'image là. Oui. Et il a imposé sa main sur moi. J'espère que l'image est là.
il y a aussi l'audio des paroles là qu'il prononçait. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement en un mot? Il priait, il a dit ceci: Seigneur, je veux que les dons que tu as mis en moi, donne cela à mon fils. Moi-même, j'étais surpris, j'ai senti quelque chose en moi, donc je ne peux pas expliquer ça. Okay. Ah, j'ai senti en moi, c'est comme si j'étais quelque part là, une joie là, jamais vécue sur la terre. Et je disais amen, 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 mais à l'intérieur de moi, c'est comme s'il a mis quelque chose là, que je ne peux pas expliquer vraiment ça. Et cette expérience-là, j'ai vécu ça. Et cette prière a produit des faits, je pense, dans l'église de Durban. Oui, mais bien sûr que oui. Lorsque je suis rentré même à Durban, et j'ai donné même ce témoignage-là, quand j'ai parlé, il y avait une forte onction dans l'église. Je me souviens, il y a une soeur, elle ne croyait pas encore à Lubumbashi, que je ne connaissais même pas, mais il y a une soeur que j'avais baptisée, elle est déjà mariée là à Durban, et m'avait appelé, me dira non, pasteur, j'ai une situation vraiment difficile, ça demande une heure de prière. J'ai dit c'est quoi? Il dit non, là au Congo, à Lubumbashi, j'ai ma tante qui est vraiment gravement malade, ayant le sensé droit qui est gonflé, et ici même sur son épaule droite ici, il y a aussi le bubon là, donc on l'a amené à l'hôpital, les médecins ont peur même de l'opérer. Okay. Alors on dit que si on opère le sel là, hein, peut-être ça risque de causer de... Oui. Alors ils avaient peur d'opérer ça. Il dit maintenant, si vous pouvez prier pour elle. J'ai dit ok, ça va, il n'y a pas un problème, mais j'aimerais que la soeur puisse m'appeler. Elle ne croyait pas encore. Et elle était d'une foi catholique là. J'ai seulement exhorté un peu, je lui ai dit, non, si seulement tu crois, et si Dieu te guérissait, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te faire baptiser? Tu vas croire ce message que c'est la vérité? Elle m'a dit, oui, en tout cas, si Dieu me guérissait, je promets à Dieu, je vais le faire. Et vous avez prié pour elle? J'ai prié au téléphone. Ouais. Pour elle, j'ai prié au téléphone, seulement au téléphone. Comme papa m'avait enseigné que devant une situation difficile, faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Vous devez avoir la foi et croire dans ce que vous êtes. Et vous avez prié, quel a été le résultat? Et quand j'ai prié, Dieu a fait un miracle. Ce cancer-là a disparu, il a été guéri, et elle-même m'avait appelé, il m'a dit non, je dois chercher l'église. Et là, il a cherché une église là, du message, et là, je lui ai dit, bon, il faut qu'elle puisse parler au pasteur, et quand le pasteur l'exhortait, il a crié, et il se fait baptiser. C'est une sœur aujourd'hui. Voilà. Il y a beaucoup de choses là qu'on peut témoigner, mais à cause de ta mère, le pasteur Baruti, donc il était plus qu'un papa. Pour moi, je vis la vie de la parole en lui. Comme la Bible nous dit que vous êtes des épîtres écrites, lues de tout le monde. Moi, je lis Dieu en lui. Voilà, vous avez lu Dieu en Baruti. Oui. Je crois bien que vous avez prié à distance, puisque notre Dieu n'est pas statique, il est dynamique. Même amen. Si vous priez à distance, si la personne utilise sa foi ou le pasteur met sa foi en exergue, Dieu arrive toujours à faire quelque chose. Amen. Je vous prie aussi de suivre cet élément où le pasteur Baruti priait à distance. Là, c'était au Brésil. Une vieille dame qui était sur la chaise roulante. Et Dieu lui a dit, c'est à toi que mon serviteur de Dieu parle. Et le pasteur disait dans sa prière, je m'attendais à ce que quelqu'un quitte sa chaise roulante. Et la guérison s'est produite instantanément. Alors suivez cet élément, là c'est une assemblée de blancs ou de blanches. Cette maman avait marché sur place et elle avait quitté sa chaise roulante. C'était une prière à distance. Suivez et on se trouve tout juste après. Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Dieu est capable de faire ce qu'il promettait.
toucher la partie malade de votre corps. Donc, on qui va se sentir douente. Et croyez. Et créez. Et vous serez guéri. Et va être curable. Je ne toucherai personne. Et nous ne toquons ningen. Vous êtes tellement nombreux. Ce sont muitos. Mais Jésus. Mais Jésus. C'est lui que vous devez toucher. Et il qui va vous toquer. Je m'attendais à ce que ceux qui ont les chaises roulantes puissent quitter les chaises roulantes. Eu esperava que os que estão nas cadeiras de rodas, das rodas se levantem. Que ceux qui ne marchent pas puissent marcher. Os que não andam, andam. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jésus. Nom de Jésus. Em nome de Au Jésus. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jésus. Nom de Jésus. Em nome de Jésus. Ele saiu da cadeira das rodas. Ele saiu. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Anda. 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 Merci, maman. Aleluia. Merci. Aleluia. Glória a Jesus. Eu realmente estou agradecida. O Senhor veio até mim visivelmente. E je remercie le Seigneur. Eu não tinha certeza em primeiro momento que era comigo. Moi, je ne croyais pas, até que o Senhor falou diretamente. Eu esperava que o Senhor estivesse na cadeira, se levantasse, viesse aqui. Que je puisse me lever, meu coração estava pulsando. Era contigo, minha filha, com Aleluia! Você. Então, a luz do Senhor brilhava muito forte em meus olhos. E o meu coração dizia, é com você, é com você. Aleluia! E um calor que passou no meu corpo. Então senti novamente minhas forças, há muito eu não sentia. O Senhor tem trazido de volta a força às minhas pernas. E eu sou agradecida. Graças a Deus, eu não mereço. Mas hoje o Senhor olhou para mim. Com mais uma vez o olhar do Senhor. De amor, e eu pude sentir novamente forças para andar. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Lá, c'est Beka. Parlons aujourd'hui de Révérend Baptiste Songo. Il faut aussi penser au témoignage, au miracle. Pasteur Louis Banzou, vous avez vu les images, oui. C'est votre évêque, oui. Et je crois bien vous a transmis l'onction, oui. Et c'est la même manière où il y a Bakosa Landebo adopté, peut-être un mot ou un petit commentaire par rapport à l'image. Bon, tu vois, Frère Branham dit quelque chose dans le message, dans cet âge, les miracles vont devenir ordinaires, okay. Des choses simples. Et pour dire la vérité, Dieu a manifesté ça aussi à travers le passé Barouti. Okay. On ne dit pas parce que c'est notre passé. Okay. On ne dit pas parce que nous sommes sortis de lui. On dit pas. On dit la réalité. On dit la vérité. Moi, je peux vous dire, c'est un homme humble. Depuis moi, je l'ai connu, il y avait des guérisons. Mais il s'est retiré. Il a laissé les autres prier pour les malades. Il est vraiment rentré. Jusqu'à ce que Dieu est parti. Alors, vous voyez maintenant. Il a pris 20 ans. Oui. Oui, il a été le passé de prier pour les malades. C'était des frères. Pas des frères. C'est qui priait. Ok. C'est retiré. Il m'a donné depuis 1994. Okay. Qu'il a vraiment repris les choses en main. Okay. Avec la tournée ici communale. Communale. Okay. Après là, maintenant, c'était maintenant les départs. Maintenant, les gens ont pensé que c'est en ce moment-là. Et Dieu commence à dire, non, il y a longtemps. Il y a une fois, les gens ne savent pas, le passé, moi, tu avais cogné quelqu'un dans la voiture. Ok. C'était vers les années 81, 82, la personne était là. Mais lui, il prend la personne, la mère, elle était en train de pleurer sur la route. Mais la personne n'était pas morte. Ce sont des témoignages. Tu vois? Il y a un grand témoin que les gens n'arrivent pas à comprendre. Beka était, c'est pas compliqué. Il a pris un homme fou. Fait entrer dans sa maison, laver, enlever des bipons partout. Il lui donne des habits, il lui donne la nourriture et il a prêché cet homme-là la parole. Ça, pour moi, c'est un grand témoignage. Okay. Moi, je parle pas de la résurrection. Oui. Parce que c'était la résurrection, mais il ne peut donner pas de la résurrection. Les miracles, ce sont des choses comme ça. Comme j'avais dit hier, c'est un homme flexible. Okay. Parce que bah, donc, il est un peu compliqué. Il y en a qui veulent toujours vivre ici et ils restent là. Il y en a qui veulent vivre là-haut et ils restent là. Okay. Mais le passé par lui, c'est dans la balance. Partout.
il se sent à l'aise, il a dans la maison des gens qui n'ont rien, il vous fait vivre, il vient dans la maison des gens qui ont aussi quelque chose, ils vous font vivre, donc c'est terrible. Même ces derniers temps, j'ai beaucoup remercié le Seigneur. Tu vois, moi je suis un enfant que beaucoup ont attaqué. Parfois, dire des choses. Puisque vous avez l'appétit à me confier, je vais bien m'appeler. Dans ce bel information, le TB dernièrement, j'étais avec mon fils qui est derrière moi ici, Jonas, devant aussi maman Faux. Les passeurs m'ont dit, toi tu es mon vrai fils, c'est toi mon fils. Mais est-ce que vous voulez que vous compreniez facilement? Puisque Babi passait par même pour les gérer, c'est difficile. Bon, tu vois, comme je dis là, tu vois, en réalité, selon les messages, pas seulement, on passe selon les messages des hommes qui sont névrosés, des gens que Dieu utilise beaucoup, ils sont vraiment compliqués. Des gens qui sont souvent dans des visions, dans des choses, ils sont un peu compliqués. À un moment donné, tu peux parler avec lui, lui n'est pas là, il est ailleurs. Je veux dire, laisse-moi. Toi, tu penses que. Donc, il est en train de poursuivre quelque chose. Donc, partout, dans ma salle, la Gandengwana, c'est un peu compliqué. C'est moi, frère, me disait toujours, moi, je ne serais pas un bon pasteur. Donc, tellement compliqué. Tu vois, parce que votre société était comme ça. À un moment donné, vous pensez qu'il est mélancolique, vous êtes en train de penser de quelque chose. S'il pense à quelque chose, il va là, il va. Là, il ne veut pas qu'il soit dérangé par quelqu'un. Alors, si quelqu'un le connaît, à ce moment-là, je vais dire, ah, je laisse le pasteur un peu libre là. Ah, donc c'est un homme, hein, il varie comme ça. Ah, il varie. Voilà, pasteur Georges, pasteur Panzou, et Sengetoko, tu as la deuxième phase, il y a tranche Nabiso, je crois bien, on a nos amis, on a pendant Tamingité, parce que Sengeli Tolobé la maman faux, puisque Tolobé le papa, mais il faut signaler que papa Lingaki, maman Makasi. Azale toujours côté naïe, et je crois bien, même d'expérience au pasteur Panzou de couper ça. Donc, papa Nende Kolia Panaye. Oui. Donc, on va parler aussi de maman Afo. Et bien, nous avons dit que nous avons dit que j'ouvre maintenant mon téléphone pour nous souhaiter maman Afo déjà joyeux anniversaire. Vous avez dit que nous avons dit radio, je donne directement le numéro. C'est 089 86 80 545. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons 89 86 80 545. De moi l'autre n'a qu'on soit déjà souhait nabino pour na maman nabiso maman faux à Botami Lilo le 24 juin 2024. Papa Botama Bongo le Botama qui Bongo le 24 janvier 1947. C'est-à-dire il y a 24. Donc moi je pense c'est à Azarte, Zambaye Bandinga Salakama Kambunaye. Donc beaucoup souhaité maman à fois avec Olanda Bisso, bien sûr en douleur, mais Aibike Zambé. Il y a passé Baout Azalinae Azanabiso. Mais pour une information, Nangi ko signaler que Bandeko Bazaki na mausolée, je crois bien, Merfi Nongue, ce qui te cause de l'image, vous avez vu les images, il y a mausolée. Image à mausolée au Bomoni et Salami na 10 jours. Deuxième jour, Tababandi, on était parti. Ton événement pas et comment? Puisque mausolée au Yobazo, c'est la pasteur Baout et Kozala Bim. De son nom à son rang, c'est à dire et qu'on a la même une musée pembe, c'est à dire babilo ko nyonso passé baout abandé ko utiliser et qu'on a la exposé wana. Donc c'est pourquoi je vous invite d'ailleurs ya ko zoa un ouvrage où ils ont retracé vie mobimba ya pasteur baout au nyon sur le boulet pasteur baout au nyon sa bande ko utilisé et je pense même ça sa bible. C'est-à-dire ekoza eloko moko vraiment appréciable na binono so bo mona keza parce que esinga kito kenena ko tika papa. Donc la construction continue, on est à première phase, mais na lingi bota la maquette nango ningi kozala tant ko sila. Donc ekoza la fierté dans mon dernier message, et cause à la fierté na bana nzambe et nyonso, et cause à la fierté na RDCP na mokili mobimba. Moi je pense nous autres a passé baout et aliwana, mais esengo na biso tebi ke moli moya papa et apa ya kolo nzambe azali na esengo ce que bibisi azonga akozonga te
puisque déjà à l'écran expérience on a passé baouta dit passé baouta couvaga déjà par poison aibi mboka na ningizalaka izalaki ngonga na eta kende et Dieu lui a dit retour prêcher la parole de Dieu au kubi qui sababeli au conseil qui sabakufi et puis au kubouter hors de ces messages la fausse doctrine. Voilà trois clauses qui ne assalé les mots à commune souka nzambe a retiré. Donc kozomanae kolingate alwapina a celui bin zambe lingi na longa été. Donc comme Dieu l'aimait a kokaki ko ses opacité, c'est pourquoi il a retiré son serviteur au le loisana kembo azana sengo. Donc biso peto partager ce moment puisque c'est la volonté de Dieu. Ensuite ce mosolé oyo bazo sale la passeur baouti na finissage na ngenge aussi là. Donc au bon moment qui ezaka ka première phase puisque c'est ngaki to tikana non zoto ya papa pour que bandeko baza destiné pour la construction basi le samosala calmement et puis nous allons revenir na bino na biso pour tout aller sabino musala ndenge aussi là puisque to kinda ko rendre hommage à chaque fois que tozan na besoin ko l'école. Ensuite cet élément il y a mausolée dans l'état actuel dans l'négociation. Ensuite on se retrouve juste après pour souhaiter à notre maman joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je crois que maman Olanda Bisso est anniversaire de l'eau. Et puis on aura un extrait. Il y a anniversaire n'étant à Coxay Bongo 69 ans. L'eau à Coxay Bongo 72 ans. Alors il faut aller s'en remettre. Topé CSM pour être à Oumele sous Nabisso. Suivez. Et voilà, je crois bien, pour mon image, ningu kozala mausolée et sikapi, te déposer corps, il y a papa Nabisso, pasteur Nabisso, évêque Nabisso, le révérend Baruti Kasongo. Pour mon le lingue zali, il y a un monde kozala, au bon monaki, au tout monaki lobby, il
et ça juste première phase puisque c'est n'est qui et ça la maman noki pour que bandeko bakoma qui est patient. C'est-à-dire que c'est là, quand il y a pasteur Baouti depuis le Canada, non, papaya, papaya, je crois bien, Moma Yadei, Ningi Toulobi, il est qui bisou, Toléli, Toléli, mais il s'est dit, toi, avancez, les bosso, parce que, au hasard, il y a c'est le Saint-Esprit, au pasteur Baouti, à tiki, les bisou. Voilà. Merci, Nongé, je crois bien, Toko, tu es dans la deuxième phase, où est le bon anniversaire à papa Toloba, qui, oh, non, c'est ton nom. Oh, non, c'est Singa qui t'a pesé à papa. Donc, il y a Souka, il y a même la délégation. Tout le monde Afrique du Sud, baillé. La délégation est partout. Baillé pour que papa ou un peu sur le coup. Moutouya. Alors, faut que tu aies un dernier hommage. Je voulais profiter de cette tranche pour te dans la deuxième tranche. Je voulais profiter de cette tranche pour te souhaiter maman, la maman fou. Et puis, je voulais te dire na pasteur Georges, na pasteur Panzou. Na administrateur Jonas, na maman Georges, awa, toi et la maman, faut joyeux anniversaire. Bino, parce que vous avez beaucoup pour ça, le lingue est fort, tout comme vous l'appelez, Nabino, mais je voulais dire ceci pour la bande de cours, pour continuer à bien en aller. Il y a un deux buts dans la bande de tranche. Donc, ce so qui est singé à qui, na hôtel, ni y a jet privé à pasteur, bah, autour de gagne dans ma tangéléka. Et ça l'a affecté dans Mozolo, puisque Mozolo n'est pas un bongo et belé. Moi, je pense, comité d'organisation, peut-être dans Ozana, bah, on l'a surtout eu l'évolution de Nézéle Kokende. Ce qui contribution à Bimo et Kenda qui n'a jet, et qui, dans l'Italie, bah, travaux, il y a Mozolo et Kozala Malam. Moi, je pense, bah, gestionnaire, il y a jet privé, dans ben, Ozon Guilhem, puis dans Koloberm. C'est-à-dire, bon, on a mis un peu de avion, passer par le tamboli dans l'avion, souci, c'est là qu'il a vu passer par le jet, il y a un peu privé, il y a évangélisé, et il y a un peu de pays qui a été. Donc, il est parti sans toucher même na un froid à jet, et quand il y a un compte, il a été, ça se trouve encore entre les mains, il y a un gestionnaire, un frère, au bas, il y a une initiative, il y a un projet. Donc moi je pense, je donne mon point de vue en tant que journaliste puisque j'ai des connaissances sur ça. On prend cet argent et côté dans ma campagne, pasteur Baouti surtout à Mozolé, ils ont la pinda bien bien. Donc il y a cette opération encore dans pasteur Baouti. Tout le kilango midi 14h. Et côté dans ma campagne, pasteur Baouti, banan ensemble, belle ba pesa qui bon de partout dans le banan, bon on a bisou. Autre pesa qui papa joue avion, papa tombe en avion et côté dans Mozolé. Donc Bandeko gestionnaire, frère Papi Longa, frère Trésor Landou, frère John Baruti, vous étiez dans la gestion. Alors si vous pouvez voir le comité d'organisation, vous pouvez voir la famille biologique du révérend Baruti Kasongo pour harmoniser en haut. Je pense que Banana Nzambo va contribuer à qui va commettre à l'ibakouté tout et à l'oclore. Je crois bien que la Kozonga, quand on a pu ça va déterminer surtout sur les salaires malades. Alors bon, ma pasteur, attends un frère à mater, puisque ça n'a pas continuité, c'est entre vos mains. Là, je pense que j'ai dit, bon, il y a jet, et que ça va pour renforcer mes travaux, pour embellir, mausoler, il y a pasteur Baruti, donc, et pesami na pasteur Baruti. Voilà, déjà, on a bandit qu'on appelle 089-86-85-145, bandit qu'on va dire la radio, bandit qu'on va dire qu'on la télévision, le numéro est affiché au bas de votre écran, surtout, bandit qu'on va dire qu'on la Mboka, le numéro est aussi sur WhatsApp. Je pense que vous facilitez bino poto yamba tout temps, ba SMS na bino, à vous en plateau na reverend évêque, il y a Afrique du Sud, tobengi pasteur Louis Panzo, avec au Kamba Église, mon nene, il y a Captain Nazara, vous n'avez la conférence. Peut-être dans tout le monde, question encore place au Tchaki Pasteur Baouti. Donc, il pensait, il comptait que son évêque soit à Cape Town. La conférence monnaie, mais ça n'a pas qu'il moi, il y a, je crois, 2016. Donc, Pasteur Pan du temps, à Moni Pasteur Baouti, dans mon hôtel, dans l'autant à l'air, à Pasteur Pan d'habiter, dans Zangi Papa, ou il s'est qui Papa Ndazala. Le quoi tu y basé qui n'a pas misala et belé il partait pour les États-Unis donc c'est n'a été à Zalana mais ce cas avec Kinshasa un gars à Zalana activité à mon anaï lui pendant une dernière lobby pour Isala et c'est une fête n'a pas mis de la cause je m'appelle Nabino 089-86-85-145 au basé au Landa Bisson en Gambouya radio Boubengi Bisson déjà un appel souhait na maman Afo joyeux anniversaire. Allô
Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko Kongola, le bon Dieu. Ok, Naza Kolo Kandeko. Na petit, ma joyeux anniversaire, na maman, na bisou, notre chère maman. Ok. Maman a fait. Ok. Merci beaucoup. J'ai reçu encore cet appel. Oui, voilà. Allô. Oui, allô. Oui, allô, Ndeko. Allô, bonsoir. Bonsoir. Merci. Ouais, 72 ans, il y a maman Faube, anniversaire. J'ai souhaité maman Faube, joyeux anniversaire. Que soit ma douleur, mais Zamba Batelae. Ok. Merci beaucoup. Zamba Batelae, famille biologique, il y a pasteur. Abatte la paix, famille chrétienne, il y a pasteur Barouch. Ok. Zambé, Apambola Bino. Merci beaucoup, Apambola Pondeko. Merci. Ouais, Tosi Sundeko Moussou Saline. Allô? Allô? Voilà 089 86 80 545. Je reçois cet appel avant Bisoto Yembilaï à na plateau. Oh là là, comprenez, je reçois cet appel. Bon, comprendre, les gars, puisqu'il y a des appels qui entrent au même moment. Allô? 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 Oui, allô, Ndeko Kombona no Bengi. Allô? Bonjour, pasteur Elise Abré, en Angola. Oui, pasteur, depuis Angola. Oui, pasteur, on a aussi là. On souhaitait joyeux anniversaire à maman Fona portugais. Bon, toi tu déjà feliz anniversaire à maman Fona. Courage, Zamba Fatelaye. Ouais, voilà. Frère Jonas, yo le baka na mosika na portugais n'est passé à l'obinga na golimbo la moi. Oh non, tu reçois d'abord cet appel. Je crois que passer au zongi la biso. Allô, où il est parti? Biso a tout ça complet. Na va portugais, frère Jonas. Allô, 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 Ndeko, combo na no bengi biso. Ouais, frère Jérémy, le loi anniversaire à maman fou. 72 ans. 72 ans, il y a où, mais là, comme ça, 200 ans, quand tout le monde a la patte, on a déjà travaillé. Et vous faites un peu de temps, quand tout le monde a la patte, on a déjà 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 la patte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Allô? Voilà. Avec lui Panzou, Nabenga Obongo, puisque l'élévation vient de Dieu. Quand vous êtes évêque, puisque vous gérez beaucoup d'églises qu'on a en Afrique du Sud. Ngaïti. Pas qu'on a un déjà qui est le beau, puis sur Zéla. Donc, vous avez quand même l'église et Bélékouna. Pasteur Georges, frère Nangaï Jonas, il faut signaler que vous êtes administrateur à l'église de Kambamana, pasteur Louis Panzou. Maman Georges, l'épouse du pasteur Georges, Bissoto, Mekata, Mamouke, Touimbila, pasteur Baoud, pardon, Maman Faux, joyeux anniversaire. Maintenant, la Ningana Bima, pas bien le baron anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to
Glorio. Happy birthday to you, Mama Alfo. Happy birthday to you. God bless you today. Always. God bless you today. God bless you always. God bless you always. God keeps you. God bless you and keeps you. Happy birthday to you. Voilà, merci Nongue. Ici, Alléluia. Nous sommes dans la joie puisque nous fêtons le 72 ans de notre maman, Maman Afo. On suit cet élément, c'était lors de ses 69 ans d'âge à Baruti Tabernacle. C'était vraiment une surprise pour elle. Et je pense, Maman Eskaze Kolandabiso, à Sepeli, Banaba Sepeli. Alors, on suit cet élément et puis nous allons nous revenir après pour recevoir vos appels. A tout de suite. Né un certain 24 juin, Alphonsine Bazenga Baruti, cinquième fille de la famille Michel Boula et Maman Miesi. Mariée à Pasteur Baruti Kasongo Bilindjadi, évêque général du message du temps de la fin. À l'occasion de son anniversaire, les comités des mamans pasteurs, maison des dons, comité de soutien du pasteur Baruti Kasongo et la famille biologique des mamans Alphonsine Bazenga, affectueusement appelée Maman Afo par les fidèles de l'église Baruti Tabernacle. Ces derniers lui ont réservé des surprises qui ont visiblement dépassé son imagination. Une façon pour eux de lui témoigner leur amour et attachement à celle qui demeure fidèle amoureuse à leur père spirituel, le révérend Baruti Kasongo Bilindjadi. L'aîné de ses filles, Naomi Mwali Baruti, a été choisi pour dire un mot à leur maman au nom de toute la famille et qui devrait le faire par vidéo projetée depuis son pays de résidence, le Canada. Nous voulons te dire merci. Merci maman. Merci pour tout ce que tu Maman Afo a été surprise de voir ça. Comme au Timbo comme Sika, arrive presque ma vie en misère de comme ah, na moni mosote, bolingo mono asanango, bolingo ne leki, il s'est engagé pour l'émotion et puis c'est comme ça. N'habite, zamba pambola imingi, sachez ce que c'est, asanango ne, à tout bien avec maman logique,
azamu na moko tona na bolingo azamu na moko alinga batonyo surtout asuko vona azalokola karate lokola mama mlokola koko nekola nga mama na ye ya sangana problem na mtu moko te ya na pesite nzamba pambola e mingi apa mbombai na ipo mope bana na ye ni kambala mko tambala bite bazono sete ntakolo bana libota na nga na bana na mtu loba izala mwali nazo kanza na omwe na ngo siko na ekran mitona mune na mune na ekran comme tu vas au côté oh et bien sur ce écran d'un coup au côté d'un coup n'a mon nom ni quoi bah tu peux mener à écorine à mener ça n'est pas oh et c'est la mona mouni n'a eu que la salle ok bon c'est mon mait à salinga malam n'enga ni balinga ranga et bah n'a pas ce balinga balinga à la cible lingona ou ya bango en fait n'a maman à bango n'a pas n'a c'est pile mingi basalinga surprise moko munene nakazaka lelo bakobonja ponanga azuna nda kuna vandi pote lokola samedi oya oya asolona nga pesinga moja salibo bilelo na moni penza te o basalinga na ba mama pasteur na iba kite na ba mama jack na iba kite o basalinga eleki wa koleka nzampa mbola bango mingi baza ba mama pasteur moko model baza kolonga mama na bango na zali baza basi moko ya kolinga mibai na bango ya uzamaramu na bato nyoso tu na kati ya eglise ya mabiba zambi pe bazara mebalinga bato nyoso bonso eglise bazaka bana na bango. Alors je dirais ceci, maman Alphonsine c'est une grande personne, c'est une grande dame, c'est une femme qui a un grand cœur, c'est une qui est une femme qui mérite ce qu'elle a eu aujourd'hui. Alors moi je suis contente, cette surprise était vraiment à la hauteur de la femme qu'elle est. Je suis contente, je remercie toutes les mamans toutes qui ont pensé à ma mère, qui ont fait une surprise à ma mère. Je vis vraiment que beaucoup de gens aiment ma mère. J'ai vraiment beaucoup de... Surtout les frères, je pense les frères fous de Jésus. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Je suis impressionnée. Je suis vraiment impressionnée, je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse, mais maman Faux, je voulais vraiment qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je voulais vraiment que ça arrive comme ça, là. Je voulais qu'elle soit... heureuse aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'elle sente qu'on l'aime. Si vous avez une maman comme maman, vous comprendrez. C'est une maman, même pendant les temps difficiles, papa n'avait encore rien dans ce temps-là. Puis papa voyageait beaucoup. Maman était tout le temps là. Maman était tout le temps là avec nous. Vous savez les sacrifices qu'une femme peut faire quand il reste tout seul, toute seule avec ses enfants, ses grands. Tu vas sacrifier même les certaines fêtes qui pouvaient aller, quand tu restes avec les enfants, tu peux aller. Certaines choses où tu pouvais te réjouir, tu ne pouvais plus y aller. Parce que tu dois rester à côté de tes enfants parce qu'ils sont petits. Moi, j'ai vécu ça avec ma mère. Alors, je me disais, tout ce qu'elle a fait pour nous depuis qu'on est enfant, il faut qu'elle reçoive quelque chose à sa hauteur. Puis c'est une femme qui nous a prêché par son exemple. Ma mère n'a pas mis une ambiance, comment je peux dire, des... Dans certaines maisons, il y a de l'ambiance un peu très brutale. On n'a pas vécu dans ça. Malgré la souffrance, même si on n'avait rien. Je n'ai jamais eu de chicanes. J'ai jamais vu de chicanes chez nous. Ni ma mère, ni mon père. Donc du coup, ce que nous, on a eu, c'est grâce à notre maman. Donc ça nous a mis une ambiance de calme dans la maison. Alors je disais, cette femme, un jour, il faut que je fasse quelque chose qui va voir que son Dieu devienne mon Dieu. Que je devienne une femme comme elle. Parce que je sais que je ne suis pas encore arrivée. Parce que c'est une femme de prière, vous ne savez pas, ma mère se relève depuis longtemps, chaque 4 ou 5 heures pour prier. Je pense que je ne suis pas encore arrivée. Je dirais qu'elle puisse vraiment prier beaucoup pour moi, pour que je devienne comme elle est. Je vais être comme elle. Voilà, derrière tout, là vous avez reconnu la voix de sa première fille, Noëlla Mwali. Qui avait fait surprise à maman Faux, bino vous avez qu'on a vu sur la radio, c'était juste pour signaler puisque vous avez qu'on a été, vous avez qu'on voit maman Faux elle-même a parlé concernant surprise on a et puis moi on a il y a mi balé né à Pesaki témoignage ni 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 balé qu'on vivrait avec maman et papa. Il y a un appel de l'Afrique du Sud, je crois bien si vous pouvez répondre là, je faisais des commentaires puisque vous avez qu'on a vu sur en direct sur YouTube. Je crois bien que Jabino. Allô. Bonsoir. Ouais, bonsoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume à poste récepteur, soit radio, télévision, ou soit vous avez pas trop diminué. Baïko. Pardon? Diminuer le volume au pied, puisque vous avez évité Baïko.
Voilà, je signale que tant aux Akobengabiso, vous éloignez de votre poste récepteur, peut-être à 3 mètres, ou soit au diminuer le volume. Voilà, Tokoyo, Kaomalamo, Baiko et Kozalate, sinon on sera obligé d'interrompre votre appel. Allô? Allô? 089 86 85 à 45. Je reçois cet appel. Allô? Allô? Allô, Ndeko? Oui, bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Comment on a bengi biswap, s'il vous plaît? Oui, comment on a fait Sarah? On a bengi bino depuis Pen. Ouais, sœur Sharon ou Sarah? Oui, la mienne qui n'a souhaité maman pour le heureux anniversaire. Maman tombe la énigme, ça vraiment maman ou Azo servi. Bis pour exemple. Ok. Que Zamba consoler vraiment mon thème à Merci beaucoup. Je reçois encore cet appel. Allô? Allô? Allô, maman, combo nanyo bengi biswapi? Combo nanyo t'habite à Kandolo Yema. La bengi a passé en Afrique du Sud, na Cape Town. Ok. Pasteur à Cape Town, Azalea, avec. Tozan et Sengoto, la pasteur la biso en direct à partir de la Cape Town. Ok. Et puis, Tolinto souhaitait maman Fo, joyeux anniversaire. Maman. Oh, la soeur est partie depuis Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town. Zéro. Ok, je reçois cet appel. Nous avons rappelé le numéro pour la bande de radio. Je crois bien que vous avez vu la télévision. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Allô? Allô? Allô, de quoi combien de nous bénis, s'il vous plaît? Ouais, frère Samuel depuis Mitende. Un souhait à notre maman. Pasteur Olivier Foutila. Ouais, na joli site. Un souhait à maman Fo pour l'anniversaire. Oui, maman Fo. Ouais, je vous en prie. C'est un moment difficile. Ok. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Ok. Pour souhaiter maman pour moi joyeux anniversaire. Ouais, yemba maman, ok. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman fou. Joyeux anniversaire. En tout cas, maman, Zara Makati. Merci beaucoup. On a ma voix, il y a ma gospel, je crois bien. Je reçois cet appel. Allô? Allô? Oui, Nardi, maman, joyeux anniversaire, maman. Merci beaucoup. Je reçois cet appel. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Combo nano bengi biswapi, s'il vous plaît. Bonsoir. Ah, maman Neige na Barungu. Oui, maman Neige souhait pour na maman Afou. Petite maman Afou, joyeux anniversaire. Maman Afou, maman Malamu. Parmi ma maman, pasteur, Azali, excellente. Au conseil, à la moitié, c'est pasteur Zanda Kisaya, maman Fo. Ok. Zanda Pambolaye, Pambolaye, Amba Kisaye, Nikono, Alongola, Sissi, ma bande de Zali, Mingi, Ponaye. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Meji. Je reçois des derniers appels. Allô? Allô? Allô, papa, combo nano bengi biswapi, s'il vous plaît. Zama pambo la bien. Amen à pambo la peu, combo nano bengi biswapi. Ouais, frère Daniel a bengi depuis Kinkole. Ouais, frère Daniel depuis Kinkole. Un souhait na maman Fo pour son anniversaire, 70 ans. Joyeux anniversaire, maman Fo. Ok. Tolingi omingi, maman, tu continues à faire ma bonne délice.
travailler fort. Amen à Pamboula. Dernier appel pour clôturer surtout avec les appels. Allô. Allô. Allô maman Kombo nanyo bengi biswapi. Ça va Pamboula oh. Eh bandana on a quoi Pamboula peu bandana on a quoi diminuer volume. Sinon te orozanga biso na appel. Diminuer volume, diminuer volume, diminuer volume s'il vous plaît. Dimne volume ya téléviseur na yo ou ya radio ce que sera pour le konana biso. Alvin Zamba Pablo la maman fo. OK. Azako yo. Joyeux anniversaire à maman fo, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse encore. OK. Aza maman moko to landaka mingi nga aza faire un message na landaka e makasi na conseil a fait rabiso en tout cas nda ma pete e makasi a fait e kimia au mais ici to za na posa na ye na kombo na Yesu au mais la amen que te Dieu bénisse. Amen. Merci, je crois bien avec vous et que vous allez passer une silice émission où vous comprenez. Je pense l'essentiel. Ouais bah bina na bak sabatumi balé bande komi balé. Je reçois cet appel. Allô. 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 Allô papa Kombo na nyobengi biso api s'il vous plaît. Oui, papa Guillaume. Ouais papa Guillaume, un souhait à notre maman, maman Afo pour ses 70 ans. Oui, chers anniversaire et une heureuse bonne fête de naissance à notre maman. Ok. Merci. Dernière, la dernière personne. Allô? 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 Oui, allô, Ndeko Kombo Nanyo Bengi Biswapi. Na Bengami na Kombo ya Frère Germain. Oui, Frère Germain. Na dengi vino na quartier Tchad. Quartier 4 nan chile la. Na monga fula. Na monga fula. Quartier Tchad. Quartier Tchad na monga fula, oui. Ah, quartier Tchad derrière Unikino. Na tete, oui, oui, na tete joyeux anniversaire na maman la biso, maman po du ciel. Ok. Maman Aoumela. Maman Aoumela, vraiment tout kene na ye elongo na enlèvement. Merci, vraiment. Kola Pamboula. Merci à Pamboula Peyo, vous étiez la dernière personne, Boteninga, regardez, puisque je suis obligé d'interrompre cette émission. Oh là là, il y a encore déjà la finale qui... Allô, j'ai reçu cette à côté par... Oui, allô. Allô. Voilà, je clôture par ici. Merci, Maman Rose. Je vis votre appel, surtout dans Nyonso Salaka, surtout pour un cortège. Il y a Pasteur Baouta chaque fois qu'il y a un voyage à partir de l'aéroport, une résidence. Nzamba Pambolo, surtout dans Moussala, Ondimi, pour nous conserver Mboka, la police. Voilà, je reviens à mes invités. Pasteur Louis Panzou, tout comme presque dans Souka et Michel, puisque le connu ces années, bandé non, on a Souka Nayango. Ils ont été difficiles pour la Bissoko Kata, tout pour clôturer l'émission Oyo. Et ils ont été en train de se faire. Peut-être un dernier mot pour l'émission Alélo. Ok. Ok, maman, il faut que Bana tu aies un bel lieu. Et c'est mon amour Tema. Zamba Pambola, après ça, ma casse, Oko ma. Ma. Pa. Ma. Pa. Maman, papa, il y a pas la nuit sur la béca tabernacle. Comme ça, on a un côté là, on combat na yo. Sur le parabole, on a présent pour la mission, mais voilà ça, il y a un côté papé, ça a force. Il y a beaucoup de côté, mais sur le Zawana, on a fait sa force. On a battu l'union sur le Zawana. Comme ça, on combat na yo. Il y a un fadaï pembe, na papa, au tambour, on a un boulot à bambou là. Bambou les gens belé mais quand ils ont retenu les alli depuis on va nous voyager dans les bandes yamboka na 1994 2024 ok c'est beaucoup hein ouais. 30 ans donc on va attendre le conseil c'est comme pas une chose partout vraiment quand on parle de maman. Le beau à maman, faut peut-être aux chance y rouler le beau quoi. C'est la belle cuisine. Et là, ça veut dire que nous avons mis ça bleu qu'on a lié, nous avons la chambre froide.
Oh, il est là. Oh, maman, faut aller là-bas. Amen. Pasteur Georges, dernier mot pour Nayo, peut-être que vous avez la dernière été, peut-être ce que vous avez permettre que vous avez à Kinshasa. Merci beaucoup, serviteur de Dieu Nelson. Vraiment, pour cette occasion qui nous est offerte aujourd'hui. Merci. De même, pour moi, c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et ma prière est que, comme Jabez avait prié, que Dieu puisse étendre vos limites. Que vous puissiez aller de l'avant pour ce travail que vous êtes en train de faire pour Dieu. Merci beaucoup. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement. Pour ma maman Alpho, je dirais à maman qu'elle soit forte et que le Dieu là que papa Beka a servi soit toujours avec elle et qu'elle sache que ce Dieu là est encore avec elle. Dieu va la soutenir. Le docteur Jésus prendra toujours soin d'elle. Nous sommes là, ses enfants. Étant ici, je représente l'église Intam Message Tabernacle de Dirba. Ils nous ont soutenu notre voyage pour venir ici. Je pense qu'ils sont en train aussi de nous suivre. Ils ont fait tout. Ils continueront toujours à considérer Maman Alpho comme on la considère toujours. C'est notre maman. Nous sommes toujours avec elle. Et ne sera pas abandonné. Je remercie aussi mon épouse qui accepte aussi de venir avec moi. Elle m'a accompagné. Moi aussi, je la remercie directement. Vraiment, elle a dit non, nous devons partir. Et nous sommes arrivés ici. Et avant de terminer, vous savez une chose, le 8 décembre 2023, Maman Alpho et Papa Beka nous avaient fait une surprise. Rapidement, puisque je devais partir ce vendredi là. Et il m'a appelé, Papa Beka m'a appelé, Maman Alpho aussi était à côté. Il m'a dit venez ici, tiens-toi ici. Et mon épouse là-bas. Il a dit aujourd'hui, je vais reconsacrer votre mariage. C'était une surprise. Et on m'a appris que je suis la dernière personne qui l'a reconsacré le mariage. Et Maman Alpho nous a donné des cadeaux là. Vraiment, que Dieu la bénisse richement. Je la porte dans mon cœur. C'est ma maman. À part de la solution pour maman.
bien. Merci beaucoup. Il faut signaler que le pasteur Georges est accompagné de son épouse qui est derrière lui. Pasteur Louis Panzo est accompagné de son administrateur honorable Jonas. Je pense que vous avez suivi leurs interventions, pasteur, et puis la délégation. Je vous remercie encore d'avoir honoré notre invitation. Merci. Et voilà aussi, vous, chers téléspectateurs, je pense que vous étiez nombreux ici à Kinshasa, Brazzaville, partout à travers le monde entier. Je ne clôturerai pas cette tranche sans pour autant penser à toute mon équipe. Là, je vois Jires Mafuta qui nous a servi du côté de la régie et la réalisation. Merci Nongue pour la prise de vue et ADG Bob pour la coordination. Katamon se retrouve au prochain numéro. Restez branchés sur le programme de la radio-télévision La Voix des Lèvres. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Et si,